L'amour que je voue à Jean-Sébastien Bach et à la musique de Jean-Sébastien Bach, ça remonte à très loin puisque je jouais des pièces de Bach lorsque j'avais 15-16 ans, toujours avec le même instrument, mon Victoria d'ailleurs. Mais je jouais à l'époque un peu plus de musique d'orgue, des préludes, des fugues, des choses comme ça. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est vraiment le moment pour enregistrer cette musique qui est magnifique. Lorsqu'on aborde l'œuvre de Bach, il y a un choix tellement, c'est un océan de musique. L'idée, c'était plus d'aller vers les concertos, mais bon, de violon, de clavier, ou le concerto pour hautbois et violon, et l'accordéon prend la position de la place du hautbois. Et quelques œuvres assez repères aussi, que je joue tantôt au bandoneon ou à la cordina aussi, même des choses comme des chefs-d'œuvre, mais bon, qui ont peut-être l'inconvénient d'être des tubes, comme la badinerie ou l'aria, des choses comme ça. J'ai simplement pris le matériel original de Bach, qui a en général quatre parties. La basse est doublée, violoncelle, contrebasse, et les parties solistes sont, voilà, on a dit que c'était pour le violon, ou moi je me suis approprié ces partitions-là. Je pense que Bach avait pas ce problème par rapport à l'instrument, parce que bien sûr les instruments n'étaient pas aussi perfectionnés qu'aujourd'hui, mais comme lui pensait musique pure, on parle de l'art de la fugue, il n'y a pas d'instrumentation, c'est pour ça qu'elle a été enregistrée par des orchestres à cordes, au clavecin. Alors à un moment donné il a dit oui, des gens disent il a sûrement écrit pour le clavecin, c'est vraiment pas sûr. Finalement l'accordéon, qu'est-ce que c'est? C'est un orgue portatif, c'est déjà un bel avantage, mais surtout expressif. Parce qu'avec mon soufflet, j'ai à la fois le phrasé du violon ou de l'instrument avant, parce que c'est de l'air que je brasse à l'intérieur de mon accordéon. La réaction des musiciens avec qui j'ai enregistré, musiciens magnifiques entre guillemets d'ailleurs, spontanément ils m'ont dit mais c'est magnifique à l'accordéon, et là on a simplement une mélodie, l'art d'une mélodie, quelquefois accompagnée simplement par quelques pizzicati, quelque chose de très épuré, de très c'est une très grande leçon de musique pour moi ça. Faire ce disque, et ça fait, comme je vous dis, ça fait pas mal de temps que ça mûrit dans ma tête. Mon souci, c'était de réussir à émouvoir le public, les gens qui écoutent Bach et
et que des gens soient émus en écoutant. Je ne cherche pas la prouesse virtuose ou ces choses-là. On sait que l'accordéon, c'est un instrument sur lequel la virtuosité est assez facile. C'est un des dangers de l'instrument, d'ailleurs. Au plus je joue Bach, au plus j'ai envie de jouer Bach et jouer que Bach. Là, je suis vraiment imbibé de la musique de Bach, comme je l'étais à une époque de celle de Piazzolla. C'est une grande leçon de musique, j'en sors grandi.